La tablette de la terreur propose aux candidats de jouer les durs en vidant leurs cartouches. C'est le moment de faire ses preuves. C'est dément. On arrive au Laser Quest et je suis plus chaud que Rambo. Chaque équipe a une couleur. Je trouve que je porte bien le fusil. J'ai l'air bien dur, tu vois. Notre équipe s'appelle les Balas Blancs. Et vos Goldfinger. Josh a prénommé son équipe Goldfinger, mais ses doigts sont plutôt rouillés en ce moment. 1, 2, 3, Goldfinger! 1, 2, 3, waouh! Le soldat Ross est prêt au combat. Je vais vous démolir, bande de petites putes! Je suis née pour ça. Je suis trop forte. Je défonce tout le monde. Ils vont morfler! On s'éclate au Laser Quest. Mais Josh et moi, on aimerait parler avec Nicole. On veut savoir comment elle se sent depuis que Jack est arrivé. Vous en êtes où avec Jack? On verra bien la suite. Je trouve qu'il s'en sort un peu trop facilement. Il est arrivé qu'hier et tu l'as cru tout de suite. Je connais Jack par cœur. Je sais quand il ment. Et là, il dit la vérité. Je pense qu'elle est trop naïve et crédule par rapport à ce que Jack lui dit. Il y a des mecs qui diraient n'importe quoi pour que tu les crois. Que tu crois tout ce qu'ils te racontent. Je me laisse pas embobiner. Zaïda et Josh veulent me protéger et m'empêcher de souffrir. Et je ferai pareil pour eux. Mais je connais Jack mieux que personne. Et je sais ce que je fais. Becca est dans mon équipe. J'essaye de tirer sur mes ennemis, mais je suis trop distrait par son petit cul qui se balance de gauche à droite. Jack, on dirait bien que Becca est distraite, elle aussi. Il faut qu'on parle. Becca et Aaron vont enfin pouvoir se parler, mais au milieu d'une zone de combat. Dis-moi, pourquoi est-ce que t'es parti en Australie? On se faisait du mal, ça marchait pas. Tu sais aussi bien que moi. Il y a d'autres façons de régler ces problèmes, tu sais. Je sais, mais je voulais... T'es parti sans un mot. C'est horrible de savoir que je l'ai blessé. Je suis désolée d'avoir fait mes valises et d'être partie en Australie du jour au lendemain. Le problème, c'est que même si je voulais réessayer, et c'est le cas, je pense que je pourrais pas. Tout s'embrouille dans ma tête. Je sais pas ce que je veux. Je kiffe Zara, mais je suis encore amoureux de Becca. C'est vraiment dur. T'es pas contente d'être là? C'est pas ça. J'en sais rien, je viens d'arriver. Il y a toujours des sentiments entre nous. Il compte toujours beaucoup pour moi. Mais il passe son temps à draguer d'autres filles et ça m'énerve. Je t'ai vu sur le parcours. Tu me visais? J'en suis sûr. T'as raison. Je le savais. J'ai cherché le petit coureur tatoué. C'est vrai? Oui. Je suis toujours attaché à elle, donc c'est difficile. J'espère qu'on recommencera pas à se prendre la tête quand on aura bu. Réfléchis à ce que tu veux. Et je vais faire pareil. On verra bien comment ça évolue.